Les Gunners à l'attaque. Allez, l'occasion peut-être de mener. Ouais, lumineuse cette passe. Oh, le but, l'ouverture du score dans ce match. La joie du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents, eux aussi. Un duel pour la récupération du ballon. Et c'est ouvert le chemin du but. La bonne passe dans l'espace. Et le but des Gunners. C'est pardonné dans l'espace. Et la frappe. Un but tout en finesse. Cherche la fin dans la défense adverse. Et ça fait but. Il est à peine entré en jeu et c'est un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Du bon match et le score est tout à fait logique. C'est bien donné dans l'espace. Il a vu son partenaire qui lui demande le ballon. Magnifique. Tir à bout portant sur lequel le gardien ne peut évidemment rien faire. Temps additionnel luminal. Ah oui, c'est bien fait ça. Kylian Mbappé. Mbappé en bonne de position. Oh le but, oui. Et un but de plus, histoire de corser un peu plus l'addition. Je crois qu'on peut dire que le score n'évoluera plus. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Attention le tir. Oh, l'ouverture du score. L'ouverture du score. Oh, elle se sera fait attendre dans ce match. Le compteur qui est enfin ouvert. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. On est rentré. Et c'est au fond. Et le but pour Arsenal qui compte désormais 2 buts d'avance dans ce match. Il va y aller. Et le but d'Arsenal. Peut-être un bon ballon à jouer pour Arsenal. Et pour son partenaire au deuxième poteau. Une marque de la tête. Oh, c'est bien donné en profondeur. Oh, but pour Arsenal. Là. Oh, c'est bien donné ça. Le gardien qui repousse, attention. Elle frappe contre. Allez, il va marquer. Et il marque. C'est exceptionnel hein, ce qu'il est en train de faire. C'est son 3e but. Attaque. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ah oui, le bon ballon là. Et le but, l'ouverture du score. Ça fait 1-0 dans cette finale. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Oh, le but d'Arsenal. Oh, le but d'Arsenal, les Gunners qui égalisent. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oh le but. Oh le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre. Et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. On cherche une solution. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Mauvaise relance. Il essaye de trouver la faille. Bernardo. Attention. Et
Bernardo Silva. En profondeur. Attention le tir. Oh, but pour Arsenal. Edge. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Oui, il y avait un espace, il l'a mis. Le tir. Ah, très haut but. Et ben là, c'est pas mal. À peine il vient de rentrer, à peine il marque. Ballon qui est donné en profondeur. Le bon appel de balle. Maurice qui a repoussé, attention, c'est pas. Et le but des Gunners. Kylian Mbappé. Chercher l'ouverture, bien sûr. Et voilà, il est. L'ouverture du score de cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Dans les 20 dernières minutes de cette partie. Le défenseur qui contre ce ballon. Et ballon qui est au fond. C'est vraiment un but collectif hein, qui est le. Le résultat d'un travail de toute l'équipe. Oui, collectif, parce que tous les joueurs participent au pressing et l'adversaire a fini par frapper. Mbappé, Bernardo Silva. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes. Le bon ballon. Et c'est au fond. Ah, ça fait 3 buts personnels pour lui maintenant. Du ballon, chercher une solution. Oh oui! Oh bien, il y est. Et l'Arsenal qui creuse l'écart dans ce match. 2 buts d'avance désormais pour les Gunners. Le prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Il est passé. Avec un tir. Oh oui, ça rentre! Peut poursuivre sur l'offensive. C'est quelqu'un pour l'aider. Ah, l'occasion peut-être de mener. Oh oui! Oh oui, monsieur! Le but! Ouais, le but est surtout un avantage à préserver jusqu'au bout si possible. Pour ce match. Oui, c'est un brillant technicien, très agile avec le ballon et un excellent dribbleur. Attention. Et le joueur Arsenal qui marque. Il cherche une solution. En profondeur, oui, bien vu. Oh, le ballon dangereux. Le tir. Oh, ça va être dedans! Succession de passes très précises. Après le duel face au gardien, non, c'est propre, rien à dire. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Allez, il peut prendre l'espace. Attention, ce n'est pas terminé. On y est! Tir à bout portant sur lequel le gardien ne peut évidemment rien faire. Allez, il peut y aller tout seul. Oh, c'est pas fini, attention. Et le but des Gunners. Donc, il ne profite pas. Ah, il passe en profondeur, attention. Attention, parce que ça peut faire mal. Oh, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. Profondeur. Ouais, la passe en profondeur. Attention, la frappe. Oh, l'ouverture du score. L'ouverture du score. Oh, elle se sera fait attendre.
cherche des solutions là. Passer à l'intérieur. Oh le but! Oh que c'est dur! Que c'est dur d'avoir si bien résisté jusqu'en toute fin de match et de prendre ce but. Excellente intervention défensive. Ouais, lumineuse cette passe. En profondeur. Oh, la nouvelle occasion. Ah, il y a 1-0. 1-0. Oh, ça pousse depuis le début. Ça a mis du temps à venir cette ouverture du score. Liverpool qui perd le ballon. Ah, il est passé, il file vers le but. La bonne passe dans l'espace. Oh, le but d'Arsenal. Oh, le but d'Arsenal, les Gunners qui égalisent. Ah, la passe en profondeur, attention. Attention, ça peut faire but. Et le but, que c'est beau. D'abord, on va assister à un remplacement côté Celtic. Ouais, ça s'agite depuis quelques minutes sur le banc de touche. Ouais, lumineuse cette passe. La bonne passe dans l'espace. Et le but d'Arsenal. Bien sûr, le pro Thomas Lemar, hein, extrêmement doué, vraiment. Oui, il y a eu des petits. Oh, c'est bien donné en profondeur. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est. Oui, attention. Arsenal qui compte désormais deux buts d'avance dans ce match. Prochaine solution. On cherche la faille dans la défense adverse. Le ballon dans l'axe. Et le but qui est tout fait maintenant. Mais c'est tout simplement son troisième but personnel aujourd'hui. Il faut trouver l'ouverture. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Le bon appel de balle. Et c'est un but. Ça touche le poteau avant d'entrer. Ensuite, on a un bon vieux 1-0 tout pourri. Mais nous, on attend surtout un bon match. La frappe. Et le but pour Arsenal. Non, elle est interceptée cette passe. L'occasion pour prendre les devants. Oh, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. Le plus vite de l'Emirates qui ne comprend pas trop ce qui arrive à son équipe aujourd'hui en tout cas. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Et oui, le but. Oh, sans doute un tournant dans ce match. Ouais, il est passé. Et le but pour Arsenal. Il y a dedans ce ballon, mais finalement non. Le défenseur qui contre ce ballon. Le gardien qui repousse. Et l'ouverture du score. Il ne devra pas traîner pour prendre les devants dans ce match. Attention à ce corner. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Oh, le gros exploit personnel, attention. Dans la tentative. On prend bien son ballon, il marque en finesse. Kylian Mbappé. Et frappe contrée. Le bon ballon. Et le joueur d'Arsenal qui marque. Ah oui, la bonne passe. Frappe. Et le but, magnifique. Pour savoir faire le plus dur, ils encaissent un but juste après avoir marqué. Attention, on ne peut plus l'arrêter, attention. Ouais, voilà le but. L'équipe qui prend l'avantage. 2-1, et plus que quelques minutes à jouer dans cette fin de match. Quand le temps d'évoquer rapidement la frappe. La reprendre volée. Et le joueur d'Arsenal qui marque.
défense à 4, un milieu assez dense à 5 et là c'est l'attaque. Lewis Nelson et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. L'ouverture. Et le gardien qui est battu. Olivier. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Oh, il a tout le plus dur peut-être. Le gardien qui ne peut que. De la tête, c'est super. Oh, c'est un penalty. C'est un penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Ah oui, penalty. Penalty. Penalty, carton jaune, ça semble normal. Ouais, l'arbitre n'a pas hésité. Forcément, on va changer un joueur, Pierre. Ouais, c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps de jeu. C'est parti vers le deuxième poteau. Mauvais dégagement, mal fait. Oh, quel but! Magnifique! Eh bien, il y est. L'Arsenal qui creuse l'écart dans ce match. Deux buts d'avance désormais pour les Gunners. Le pied du côté de l'équipe locale. On va gérer cette avance sans trop prendre de risques maintenant. Ouais, même en jouant un petit peu la montre là. Ça va plus faire dans cette position avec un tel terrain. C'est sûr que ce sont des choses à éviter. Ça me donne un élément. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il peut donner l'avantage à son équipe. Et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. Du danger et qui est complètement battu sur ce coup fort. Allez, un changement dans cette équipe, Pierre. L'entraîneur a bien réfléchi avant de faire signe au quatrième arbitre, mais là c'est décidé. Et le joueur d'Arsenal qui marque. Arsenal qui peut poursuivre son offensive. Et la frappe. Oh, le ballon au fond du filet. Et le but pour Arsenal qui compte désormais deux buts d'avance dans ce match. Allô. Essaye de trouver la faille. Ouais, très haut but. Oh bien, il y est. Et Arsenal qui creuse l'écart dans ce match. Deux buts d'avance désormais pour les Gunners. C'est une solution. Ouais, la frappe. Un but tout en finesse. Alors qu'on se dirige tranquillement vers la fin du match. Oh, il est passé, il y a danger. Pour la nouvelle occasion. Et le but d'Arsenal. Après une belle séquence de domination. Et l'action qui s'arrête déjà. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Arsenal qui peut poursuivre son offensive. Oh, il va filer au but. Oh, il y est. Oh, il suffisait d'être patient, mon petit Pierrot. Ah, et puis la patience, c'est toujours disponible. Le ballon dans... Ouais, quel but, magnifique. Il devrait être un petit peu plus tranquille encore avec ce but. C'est un mauvais dégagement, là, attention. Il essaye de trouver la faille. Et voilà, il est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Il va ramener le jeu dans l'axe. Théo Hernandez. Cherche une ouverture, bien sûr. Il faut trouver une option disponible. Attention le tir. Là, ils mettent ce but. Oh, que c'est beau. Terrain. Arsenal qui peut poursuivre son offensive. Attention. Oh, le but. L'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais bien joué. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. C'est mal exploité. Arsenal qui peut poursuivre son offensive. Il y va tout seul.
Attention, ce n'est pas terminé. Et c'est au fond. Oh bien, il y est. Et Arsenal qui creuse l'écart dans ce match. Deux buts d'avance désormais pour les Gunners. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Attention le tir. Elle est au fond. Oh bien, il y est. Et Arsenal qui creuse l'écart dans ce match. Deux buts d'avance désormais pour les Gunners. Il essaye de trouver la faille. De Jong. Pour qui ce centre? Et ça fait du après un gros travail de harcèlement sur l'adversaire. L'entraîneur a fait le choix de positionner. Il cherche un partenaire en profondeur. Et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. Il peut de son neuf. Et ce serait pas mal, oui. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Frappe. Oh, le but. Eh bien, il y est. Et Arsenal qui creuse les cartes. Tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Attention, il peut aller au bout maintenant. Ouais, il repoue. Et le joueur d'Arsenal qui marque. Si tu n'en laisses pas, c'est cadeau. Il choisit la frappe. Oh, le but! L'égalisation! Oh, quelle fin de match! La passe aérienne, pas mal. Et c'est au fond! Jong. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ouais, c'est pour son partenaire, c'est bien joué. Et il y est! On cherche une solution. Oh, le gros exploit personnel, attention. Oh, le but! T'es sûr de Jong. Cherche une tir, bien sûr. Et le gardien qui est battu! Ben c'est tout simplement son troisième but. Attention à ce corner. Oh, le but d'Arsenal! Oh, le but d'Arsenal, les Gunners qui égalisent! On cherche une résolution là. Ah oui, cette fois c'est fait! On approche trop en passant sur les côtés. Attention, ça peut devenir intéressant. Et qui centre. Et le but des Gunners. Attention, il peut centrer là. Oh, le grand danger. Oh, but pour Arsenal. Attends, il trouve un joueur de l'équipe adverse. Arsenal qui peut poursuivre son offensive. Alors que son partenaire dans le dos. Le tir. Et c'est au fond. Il est rentré quoi, il y a quelques minutes. Et c'est un de ses premiers ballons, il marque. Joueur pour les supporters, une finale. On s'en souvient, j'ai vraiment longtemps, même quand on la perd, ça reste. Tir. Oh, le but. On l'attendait. L'ouverture du score. Et surtout, cette finale est lancée. Il va y aller. Il tente la volée. Qu'est-ce qu'elle est bien amenée, cette contre-attaque. Elle est fulgurante. Cherche une joueur tir, bien sûr. Attention à la frappe. Ah, le but! Oh, il fallait pas craquer! Ils ont été héroïques et ils craquent sur la fin! Perdu pour Arsenal. Ce ballon en profondeur. Oh, oui, ça rentre! Oh, bien, il y est! Et Arsenal qui creuse l'écart dans ce match. Deux buts d'avance désormais pour les Gunners. Au camp adverse. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Attention, c'est peut-être la fin. Oh, il marque! Oh, il marque! Et avec ce but, c'est l'équipe adverse qui perd tout l'espoir de revenir! Ouais, là, on peut dire que c'est le jeu. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Le tir. Arsenal qui marque. Des solutions là. Et marque. Oh, le but. Et l'équipe qui passe devant au tableau d'affichage. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est bien donné dans l'espace. Attention, parce que ça peut faire mal. Oh, il y est. Oh, il suffisait d'être patient, mon petit Pierrot. Ouverture. Ouverture, bien sûr. Oh, le but. Oh, oui, le but.
espace. Et c'est un but. Oh bien, il y est. L'Arsenal. La bonne inspiration sur cette passe. Cherchant l'ouverture, bien sûr. Oh, l'ouverture du score. L'ouverture du score. Oh, elle se sera fait attendre. Oh, il va être rattrapé, attention. Oh oui, le but. Oh oui, le but. Cette fois, la victoire qui est en vue. Ouais, c'est favorable, mais lui qui croit encore. C'est normal. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oh oui, le but. Un autre but, quasiment coup sur coup. Il faut trouver une option disponible. Attention. Oh, le but. L'ouverture du score dans ce match. En profondeur, oui, bien vu. La passe en profondeur. Oh, le but. L'ouverture du score dans ce match. La joie du buteur, regarde. Il a débordé la défense. Et voilà, il est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction. On dirait qu'elle va faire bloc. Attention à la frappe. Et le but. Et le but pour Arsenal, qui compte désormais deux buts d'avance dans ce match. Mbappé. Ah oui, la bonne passe. Oui, dans la course. Et but. Et... Mais non, il a intercepté, bien sûr, comme par hasard. Mais c'est toujours le chemin du but. La frappe. Oh, le but. Alors là, c'est pas coupable, comme on dit. Et puis, c'est quand même un joueur. Long à jouer pour Arsenal. La balle pour égaliser. Et en égalisation. Oh, le but de l'égalisation. Là, il faut trouver l'ouverture. On cherche la forme dans la défense adverse. Et craque dans ce ballon. Allez, Tierney. Guérin, Hollande. Ah, et Guérin, le 2-0. C'est magnifique. Guérin. Pour Hollande. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Pied droit, et voilà. Le but de Hollande pour le 3-1. Guérin pour Forêt. Forêt qui s'impose et le but de Forêt. Oh oui, Dembélé bien joué et Guérin pour donner 4 buts d'avance. On a vu ça.